Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième jour de vlog Le Normé, qui est donc le défi Le Normand. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est quels jeux Le Normand sont sur ma liste d'envie et pourquoi? Alors, j'ai fait une liste, bon, elle n'est pas immense, hein, je vous rassure tout de suite. mais il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, en tout premier, il y a The Egyptian Le Normand de Nefer Khepri, publié par Schiffer Publishing. En fait, j'ai juste flashé sur les illustrations. Je le trouve magnifique. Bon, il a pour thème l'Égypte et certains d'entre vous doivent le savoir parce que je le dis des fois dans mes vidéos. J'aime beaucoup en fait les jeux qui sont liés à l'Égypte ancienne. J'aime les illustrations liées à cette époque-là, voilà. Et donc c'est vrai que celui-là m'a tapé dans l'œil. Donc il est en commande, je vous le dis. Il va arriver incessamment sous peu, si tout va bien. Voilà. Aussi, le Lenormand Oracle Cards de Gina Di Roberto, parce qu'en fait ce sont des illustrations qui sont un peu classiques. Et comme je n'ai pas de jeu avec des illustrations de ce type-là au niveau des Lenormand, je me suis dit finalement que je devrais peut-être en avoir quand même au moins un, si ce n'est deux, parce que j'ai aussi mis sur ma liste le Lenormand Fortune Telling Cards, The Legendary 18th Century Oracle. Donc celui-là, c'est le légendaire Lenormand du XVIIIe siècle par Harold de Josten. Les illustrations sont très belles, c'est un jeu de petite taille et donc c'est des illustrations un petit peu classiques aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis orientée vers ce jeu-là. Ensuite, en un peu plus jeu rêverie, il y a le Dreaming Way le Normand. Alors celui-là, je l'attends avec impatience. Bon, pour l'instant, il est en précommande. Alors il a été fait par Lynn Arrojo et les illustrations sont de Quan China, qui a aussi fait le Dreaming Way Tarot, que j'attends aussi, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Et donc, comme j'attendais le tarot et que j'ai vu qu'il y avait le Lenormand qui arrivait derrière, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, les illustrations sont très belles, et j'ai bien aimé, en fait, la couverture de la boîte. Cette illustration de la dame m'a particulièrement plu au niveau des couleurs, et c'est pour ça que j'ai décidé, donc, de le mettre sur ma liste. Et enfin, il y a le White Mojo Le Normand qui a été fait par Papagee aux États-Unis. Il y a la deuxième édition qui est en vente actuellement sur Etsy, mais c'est vrai que le problème en fait, c'est que cette personne ne vend qu'aux États-Unis. Elle n'envoie pas les jeux ailleurs qu'aux États-Unis. J'ai beaucoup de mal à l'avoir et donc il est sur ma liste, mais pour l'instant, je ne le possède pas et je pense que ça va être un petit peu difficile de le trouver. Voilà, donc je vous ai dit quel jeu était sur ma wishlist Le Normand et puis pourquoi je souhaitais avoir ces jeux. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur ce vlog. Bye bye!